La pêche en eau profonde a épuisé plus de 80% de la ressource halieutique d'eau profonde dans l'Atlantique Nord-Est. Ce n'est pas à rendre service aux pêcheurs ni aux citoyens de cette planète d'autoriser cette pratique de pêche sursubventionnée, non sélective et dévastatrice de nos fonds marins. Pour 2 à 5 espèces commercialisables, ce sont des centaines d'autres qui sont sacrifiées, détruites inutilement. Je vous appelle donc, chers collègues, à voter l'amendement déposé pour mettre fin et interdire la pêche au chalut en eau profonde, afin de participer à la cohérence d'une réforme ambitieuse de notre politique commune de la pêche. Merci. En décembre 2013, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant au Parlement européen parce qu'il y avait un premier vote, il y en aura un second, sur l'interdiction du chalutage profond. Et le chalutage profond est considéré comme la méthode de pêche la plus destructrice de l'histoire, rien de moins, par les chercheurs. Les chercheurs s'étaient mobilisés massivement. Il y a plus de 300 scientifiques qui avaient écrit aux députés européens leur demandant d'interdire cette méthode de pêche. La société civile s'était vraiment mobilisée aussi, puisque plus de 800 000 personnes ont signé la pétition de Bloom pour faire en sorte que leur volonté citoyenne soit prise en compte par les élus. Et malgré ça, les députés ont rejeté la possibilité d'interdire cette méthode de pêche. Maintenant, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, eh bien, il faut vraiment comprendre les mécanismes de ce qui s'est passé pour qu'il y ait un décrochage entre la volonté scientifique, l'expression de la volonté citoyenne et la représentation politique de nos élus au Parlement européen. The deep sea is an incredibly extreme environment. The organisms have to be able to cope with a very low food intake, which means that they grow incredibly slowly and they live for a very long period of time. Et donc cet immense réservoir de biodiversité, il est protégé depuis la nuit des temps de nos activités, mais aussi de notre connaissance, puisqu'on commence juste à explorer tout cela. Mais il l'a été pendant longtemps protégé, et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous voyez, ce sont des filets de pêche qui vont prendre donc typiquement ce corail profond. C'est un corail, vous voyez, par sa taille, qui est au minimum pluricentenaire, sans doute plurimillénaire. Eh bien, on le rejette par-dessus bord, comme si c'était une ordure. Donc, quelle est la méthode de pêche qui permet de perpétrer en fait ce massacre ? Il s'appelle le chalutage profond. Donc, ce sont des bateaux qui envoient des filets très lourds, lestés. Ils les prennent tout ce qui se trouve sur le fond. Puisqu'on parle d'océan profond, ces bateaux de pêche vont pêcher jusqu'à 1800 mètres de profondeur. If people could see how bottom trawlers catch fish, they'd be appalled. I have seen it. I've been down in the ocean and observed where these scrapers go across the ocean floor and take everything. It's like using a bulldozer to catch songbirds. The big trawl fisheries that I worked in, I didn't see a future in those fisheries. The intensity of the fishery, fishing pressure was so high. And I thought, you know, this is something that needs to be dealt with. Une opinion simple, je pense qu'il faut que ça n'existe plus. Parce que ce n'est pas de la pêche. Au fond, c'est un massacre, si on réfléchit bien. Et c'est tout sauf de la pêche. Et donc, il faut que le Parlement se prononce. Et bien ça, c'est typiquement une décision qui est à notre portée. C'est-à-dire qu'on peut la prendre au Parlement européen. Il suffit de le décider et donc il suffit de le vouloir. We have very powerful gears now that can even fish slopes going up and down and a steep angle. But actually it makes no economic sense because doing that is very expensive. You need very expensive gears and it costs a lot of fuel, fossil fuel. And so in that sense it doesn't pay.
cette question de l'environnement en général et des grands fonds marins en particulier, de cette pêche dévastatrice, c'est vraiment une question d'égoïsme et d'altruisme. Si nous avons un minimum de considération pour les générations à venir, nous ne pouvons pas saccager ainsi un biotope aussi précieux. C'est un système si fragile et on arrive de façon si brutale à le dévaster en quelques heures en raclant les fonds sur des kilomètres. Tout ça pourquoi ? Principalement pour les pays riches, c'est pas du tout pour soulager la faim dans le monde. C'est un tout petit peu comme si on prenait des œuvres de Rembrandt pour faire un feu de bois pour chauffer la soupe du soir. Ça n'a aucun sens. Why are boats even fishing in the deep sea in the first place? Because we've drastically overfished accessible fish stocks since the 1980s, forcing fishing boats to fish deeper and deeper to make up for the missing resource. The damage occurs far from sight and sadly out of mind, but means the deep ocean is suffering from rapid and probably irreversible destruction. The deep sea should be as precious as the pyramids of Egypt. It is our common treasure. It forms the largest reservoir of unknown species on our planet. And some of this incredibly biodiversity will undoubtedly deliver solutions to the world in the future. For less than 10 targeted species, 100 other animal species are discarded. They're thrown overboard dead. Among them, there are species such as deep water sharks, which are already threatened by extinction. This is madness, but we can end it. Le chalutage profond, ça concerne en Europe, selon la Commission européenne, une toute petite activité. C'est même pas assez 1% des captures de poissons européens. Il n'y a aucun enjeu socio-économique. Ce ne sont pas des poissons qui vont régler un problème de sécurité alimentaire. Ils ne partent pas en Afrique pour régler des problèmes humanitaires. Pas du tout. Donc on a un vrai problème avec cette méthode de pêche. D'où la décision de la Commission européenne de proposer son interdiction. En reconnaissant que cette méthode-là était particulièrement destructrice et qu'il fallait une mesure extraordinaire pour protéger des milieux océaniques qui sont eux-mêmes extraordinaires et que ça n'avait aucun sens d'envoyer cette efficacité technologique radicale dans un milieu où il y avait une telle lenteur biologique. Alors, pour ma part, donc, je suis particulièrement heureuse que nous puissions accueillir aujourd'hui les participants à cette table ronde pour débattre des nombreuses questions que soulève la pêche en eau profonde. Je vais passer la parole maintenant à Madame Cécile Bigot. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Le gouvernement considère qu'il n'est pas possible d'accepter une mesure qui viserait à interdire purement et simplement l'utilisation de certains engins, notamment le chalut de fond. Il ne faut pas oublier que je pense qu'il est très facile d'interdire une pêcherie, mais il est plus difficile de la réguler, de la réglementer. Par contre, c'est beaucoup plus, je dirais, important de la réguler, de la réglementer à partir du moment où derrière nous avons le défi alimentaire mondial. Nous l'oublions pas non plus. Ça paraît tellement simple, ça paraît tellement évident d'interdire le chalutage profond que je pense que les ONG, nous en tant que citoyens, on a quand même pensé que ce serait assez rapide et assez simple. Et ça, c'était sans compter la peur qui a pris quelques industriels de la pêche qui tiennent les organes de représentation politique des pêcheurs, qui se sont dit « mais c'est le début d'une interdiction, ils interdisent aujourd'hui en profondeur et demain ils vont interdire où ?» Sauf que interdire une méthode de pêche qui est dépendante des subventions public parce qu'elle est extrêmement consommatrice de gasoil. Ça veut dire que si en plus elle est déficitaire, ça veut dire qu'elle ne doit sa survie qu'aux subventions. Sans les aides publiques, sans les subventions publiques à ces méthodes de pêche, le modèle de pêche, il disparaît. Les bateaux ne quittent pas le port. Alors, blocage politique de la France sur un dossier européen, comment ça se passe? Il y a plusieurs façons de bloquer un dossier. D'abord, empêcher qu'il progresse, c'est déjà un blocage. Et ensuite, une fois qu'il a progressé, lui mettre un parcours vraiment du combattant.
Au niveau du Conseil, le Conseil, c'est totalement opaque. Ce sont les ministres des pêches européens qui se réunissent. Personne ne sait rien de ce qui se passe dans cette espèce de grande braderie où ce ne sont que des jeux d'influence. Ensuite, on a des députés au Parlement européen. Et là, les choses se gâtent. On avait des députés qui avaient de forts intérêts dans les régions littorales européennes. Et certains de ceux-ci, notamment en France, Alain Cadec, député UMP Bretagne, et Isabelle Thomas, députée PS Bretagne, ont tout fait pour bloquer le règlement et surtout retarder de plus en plus les échéances. Au niveau du Conseil, au niveau des ministres, on a un ministre des Pêches aujourd'hui qui, alors qu'il dépend du ministre de l'Environnement, dépend des intérêts exclusifs de deux ou trois entreprises. Pour mémoire, c'est quand même l'ancien maire de Boulogne, l'une des villes importantes de la pêche industrielle en France. Bon, si on veut être élu maire de Boulogne ou député, ou si on veut être élu au prochain mandat du Parlement européen ou au Conseil général ou un futur dans l'Assemblée nationale, il ne faut pas se mettre à dos un secteur, enfin, il ne faut pas rentrer en conflit avec un secteur important de l'électorat local. Nous avons participé à chacune de ces rencontres européennes. Nous avons renoué le dialogue avec la Commission et les premiers résultats sont là. Nous avons eu une attitude extrêmement offensive depuis maintenant une vingtaine de mois que je suis en responsabilité. Donc un dossier bloqué par la France, clairement. Dans le cas du dossier pêche profonde, ils étaient très très mal, en fait, les députés européens qui étaient proches des lobbies et qui voulaient faire entendre la voix des quelques entreprises de pêche de Bretagne. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les conseils d'un cabinet de lobbying qui s'appelle G+ Europe. Donc la réputation de G+ Europe, quand les gens en parlent, ils disent c'est pas le plus gros, mais c'est le plus sale. Voilà, c'est comme ça qu'on parle de G+ Europe au niveau européen. Et donc ce cabinet de lobbying maîtrise parfaitement les procédures législatives et les procédures internes au Parlement, à la Commission. Et donc ce cabinet les a très bien conseillés. Et on dit, puisque vous êtes complètement à poil au niveau du contenu, eh ben on va jouer sur tout ce qui est le plus toxique et ce qui est le plus sale en politique. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que par exemple, ils ont demandé une audition. Donc il y a une audition publique au Parlement européen. Et les intervenants de cette audition, ils sont décidés par les coordinateurs politiques de chaque groupe politique. Donc tout le monde peut intervenir sur le choix des intervenants. Et donc, ils ont envoyé, les lobbies industriels ont envoyé leurs chercheurs. Il y a toujours la recherche d'État qui dit exactement ce que les lobbies veulent. Donc, ils ont envoyé leurs chercheurs. Mais il n'y avait pas d'industriels, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pêcheurs industriels. Donc, nous, on était un peu surpris quand on a vu cette première audition publique. On s'est dit, bah, peut-être que leur stratégie, c'est de faire porter leur combat par des chercheurs. Ça pèse peut-être plus lourd que de venir dire, moi, ma flotte de pêche, elle est formidable, faites-moi confiance. Mais ce n'était pas du tout ça la stratégie. L'audition publique s'est déroulée. Dès le lendemain, les industriels, donc français, espagnols et surtout voilà, écossais, parce qu'ils se sont alliés entre eux, ils ont envoyé une lettre au président de la commission pêche, cette toute petite commission pêche où il y a seulement 25 députés au Parlement européen qui décident de toutes les affaires de la pêche européenne, c'est quand même intéressant. Ils ont envoyé une lettre et ils ont dit cette audition, elle était complètement biaisée. Donc on en veut une autre, on n'a pas été entendus. Mais ils auraient pu être invités à parler. Ils n'ont pas été invités à parler parce que c'était une stratégie pour avoir un prétexte, pour avoir une autre audition publique. Et ensuite, il y a les problèmes d'agenda. Et là, le secrétariat joue sa part parce qu'évidemment, le secrétariat de la commission pêche du Parlement est très orienté et sous pression directe des lobbies bretons. Donc, on a eu une première étape, un retard de plusieurs mois parce qu'il y avait juste cette audition. Pourquoi retarder ? Par toutes ces astuces, pourquoi retarder le processus législatif? Parce que quand on était au Parlement en 2012-2013, on savait qu'il y avait les élections européennes en mai 2014. Et quand on change de commission européenne, on perd Maria Damanaki, la commissaire à la pêche, qui, elle, a eu la volonté politique de dire les gros problèmes, on va les régler. Et on va tracer une vraie voie pour reconstituer les stocks de poissons en Europe. On a fait n'importe quoi jusqu'à présent. Ça suffit la blague. Maintenant, moi, je vous propose des choses fortes. Mais évidemment, c'est la crainte absolue des lobbies industriels, cette femme. Parce qu'elle a du courage politique. C'est la dernière chose qu'on demande à une commissaire européenne à la pêche. Donc, voilà, se rapprocher de cette zone fatidique
de changement de parlement et de changement de commissaire européenne, c'est exactement ce que les lobbies industriels, par le biais de leurs députés au Parlement européen, ont cherché à faire. Somebody asked whether we should stop trawling or, and whether we could improve the existing rules to make everything better. Well, I think if we were able to ban bottom trawling and move to a long lining, there'd be much less impact on the seabed. And you can see here that the impacts of bottom trawling on the seabed are more than all the other activities added together. We've done an analysis of all of the trawling-based literature that we could find in the scientific literature, and we found that there were 74 studies that dealt with trawling in the deep sea. Not a single one of them suggested that this was a good thing to do. The results that are coming up are quite striking, and this just some information for you to build to help building an opinion. Using the case study of the Azores, and we are in the process of applying the same methodology at the global scale, we come up with results of the impact of one bottom trawl similar to about 16 to 2500 long line sets. Alors je passe la parole maintenant à Monsieur Philippe Curie. Je vais revenir sur la première question qui a été posée sur l'histoire de la pêche, parce que c'est vraiment caractéristique de la pêche profonde. Nos pêches depuis 50 ans, ça a été des surexploitations séquentielles. Alors bien sûr, on a surexploité localement, après on a été plus loin, au large, au thurier, et puis on a pêché d'autres espèces, des petits poissons pélagiques. Tout ça, ça a été quantifié, je peux vous donner les cartes au niveau mondial. Et puis aujourd'hui, bien sûr, c'est le dernier bastion, la dernière frontière, ce sont les ressources profondes. Alors, pourquoi on importe 70%? Dommage que le monsieur Dorian est parti, mais pourquoi on importe 70% de nos produits marins? Eh bien, c'est parce qu'on est en chute libre, les captures sont en chute libre, parce qu'il y a la gestion européenne est une des plus catastrophiques au niveau mondial. Parmi les 54 espèces d'eau profonde issues, incluses dans la proposition de la Commission et selon le CIEM, vous avez 21 espèces qui sont considérées comme épuisées ou risque d'épuisement. Et parmi ces 54, vous en avez 26 autres espèces qui sont totalement reconnues car elles n'ont jamais été évaluées. Donc, de cette statistique, seules 3 espèces ont un ou plusieurs stocks qui sont considérés comme étant en bon état. Les seules connaissances que nous avons, elles sont basées sur les captures des bateaux. Il n'y a pas d'évaluation indépendante de la ressource. Et du coup, c'est intéressant d'avoir les données des pêcheurs, c'est mieux que rien, mais ça ne permet pas de savoir combien il y a de poissons dans l'eau. Donc tout ça est à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. D'ailleurs, le CIEM est passé, après l'augmentation des quotas qui était très favorable à la France, le CIEM a fait une note en disant « attention à l'utilisation des données de pêche pour l'évaluation des biomasses ». On ne peut pas faire ça. Amendments have been tabled, which we will vote on tomorrow, calling for deep sea trawling below 600 meters to be banned. That reflects the position that the Commission has put forward. It makes clear that this activity is deeply harmful. And there is growing support across this House for these proposals, because we all realise that these depths, it takes an enormously long time for the marine ecosystem to recover once it is damaged. 300 marine scientists have written to us saying we should stop this activity because of the damage. That's more scientists saying stop it than there are fishermen on a regular basis actually doing it. Heaven's sake, let's listen to the science. Remember, we can always go back to start trawling if there's a seabed to trawl. We can't stop it if we've destroyed the seabed, because if we do that, it's gone for our lifetimes. Ce qui m'a sidéré dans le processus parlementaire, puisque toutes les sessions sont publiques et on peut y assister, c'était de voir la résistance de quelques individus, notamment ces élus bretons, qui ont fait comme si tout ce qu'ils entendaient d'un point de vue scientifique international n'existait pas. Non mais c'était merveilleux. Par ailleurs, M. Blasdale nous dit que les stocks sont, s'agissant de la ressource, que les stocks sont bons. En tous les cas, ont plutôt tendance à se reconstituer. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. It's not quite correct to say that I was saying that the stocks are now recovering. What I was saying is that the decline in most stocks that we're assessing appears to have halted. And we believe that exploitation or mortality is now at a rate that would allow recovery to take place. Et donc ils disent oui, merci de votre intervention. Donc vous dites que c'est durable. Non, on vient de vous dire que c'est pas durable. En fait, c'était vraiment incroyable. Ils avaient carrément comme une espèce d'obsession mentale.
Et ils ont été aidés en cela par un papier de position qui avait été produit par l'IFREMER. Et l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui est un institut financé par l'État. C'est de la recherche d'État, c'est pas de la recherche indépendante comme une recherche universitaire. Ils ont demandé à l'IFREMER, sortez-nous de cette impasse, on n'a aucun alibi. Donc ils ont produit, l'IFREMER a produit un petit texte comme ça sur son site internet qui disait que le chalutage profond, ça allait en fait, hein, fallait pas trop s'inquiéter. Ce texte-là, ce n'est pas une publication scientifique. Jamais il n'aurait été publié dans une revue scientifique. Il n'y a pas le début d'une argumentation, il n'y a pas de référence scientifique, ça ne vaut rien. Et ce papier-là, ce papier de position de l'IFREMER, il a été utilisé, il a été brandi par Isabelle Thomas, par Alain Cadec, tout le long du processus. Pendant toute l'année, et dans tous les médias français, on voyait revenir un document de l'IFREMER qui avait été sorti sur leur site internet, qui était non signé, non sourcé, qui disait que la pêche profonde était durable, que les stocks se portaient bien, que l'impact sur les écosystèmes marins n'était pas important parce qu'on ne pêchait pas dans les zones où il y avait des coraux, des éponges. Quatrièmement, la note IFREMER évoquée par Olivier Falorni, je me suis permis de le transmettre aux 300 députés socialistes, ces dernières semaines à plusieurs reprises d'ailleurs. C'était une aberration au vu de toute la littérature scientifique existante qui était revue par des pairs dans des publications scientifiques officielles. La note d'IFREMER du mois de juin évoque parmi d'autres éléments le fait que 73% des trois principales espèces grenadier, lingue bleue et sabre noir ont atteint un niveau de durabilité. J'étais justement à Londres hier pour une table ronde avec des dizaines d'universitaires anglais qui regardent ce qui se passe en France de façon un peu effarée. Ils disent « Mais comment est-ce que vous arrivez en France à créer des controverses scientifiques là où il n'y en a pas ?» Ce papier, ce n'est pas un papier de position. Ce papier, il avait une intention pédagogique. Dans cette intention pédagogique, il y a un certain nombre de raccourcis qui ont été faits, et ils ont probablement été trop raccourcis pour essayer d'exprimer de manière simple des choses qui sont, vous l'avez tous vu, des choses extrêmement compliquées. Et c'est la seule publication qui n'en est pas une qui puisse dire un truc aussi énorme. Ça passerait absolument pas les fourches codines d'une publication internationale. Personne ne peut publier ça en tant que chercheur et garder une réputation au niveau de sa production scientifique. Donc on voit que l'IFREMER était en mission de sauvetage des lobbies industriels de la pêche. Et d'ailleurs, l'IFREMER, c'est les chercheurs de l'IFREMER qui ont aidé les pêcheurs industriels français à développer le chalutage profond, à trouver les zones de pêche, à trouver des nouvelles espèces. Donc ils ne voulaient pas se dédire non plus de ce qu'ils avaient fait par le passé. Par le passé, la recherche française et les aides publiques françaises ont aidé nos industriels à développer ces méthodes de pêche complètement délirantes. On se rend compte qu'il y a une activité bien organisée de la recherche d'État, des pouvoirs publics, des élus européens et des élus aussi à l'Assemblée nationale pour créer du doute ou même faire carrément passer des gros mensonges en masquant des données. Donc il y a des données qui devraient être publiques que nous, on demande, qu'on réclame à corps et à cri depuis des mois et qu'on n'obtient pas. Et cette petite mascarade, elle dure depuis le Grenelle de la mer en 2009, où déjà les ONG demandaient l'interdiction du chalutage profond. Et il y a eu toute une grosse machination en fait, de l'État, en fait, avec les pouvoirs publics, les industriels et la recherche, et la recherche qu'on croyait être indépendante. Et on a découvert avec un immense dépit que l'IFREMER n'était pas du tout autonome. Les chercheurs de l'IFREMER sont orientés. Et évidemment, là, pendant le Grenelle de la mer, on s'est rendu compte qu'il y avait des individus qui étaient vraiment des individus au sein de l'IFREMER. Hein, parce qu'il y a des gens merveilleux à l'IFREMER. Et c'est tous les chercheurs merveilleux de l'IFREMER, eux, par contre, ils ont payé très fort le prix des dommages de réputation que ces quelques individus ont causé à l'Institut de recherche. Sur l'aspect économique, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette pêcherie est économiquement durable. Les chiffres sont à la disposition de messieurs les députés et madame les députés. Les comptes sont publics. On a tous les comptes. Ça coûte 13 euros et quelques de les acheter, mais vous pouvez venir les consulter. Et donc, on a fait une analyse des comptes. Notre trésorier s'est occupé de ça. Ces bateaux
Et ces flottes, et c'est très important, sont totalement déficitaires. La NEF a également analysé les comptes de certains armateurs sur plusieurs années, de 2002 à 2011, le premier armateur français, a regardé combien de subventions européennes avaient été allouées à cet armateur, a également analysé les détaxes sur le fuel, puisqu'on sait que ces activités payent le fuel moins cher, et sur les résultats nets de l'entreprise, ils ont constaté qu'il y avait finalement une perte économique nette. Donc en additionnant ces coûts environnementaux et ces coûts qui sont liés à aussi au fait que cette activité est extrêmement consommatrice de carburant, donc il y a un coût très élevé, ces coûts engendrés sont de 389 à 494 euros par tonne de poisson pêché. Ça, c'est des coûts qui sont, c'est des externalités, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans les factures, mais c'est ce que ça coûte à la société réellement. Il en est de certaines pratiques de pêche comme de certaines pratiques agricoles. Ce sont non seulement des non-sens économiques, mais des non-sens écologiques. Elles n'existent que parce qu'elles sont subventionnées. Et donc, personne n'ose poser sur la table le montant global des subventions qui est accordé et de dire, mais est-ce que cet argent ne pourrait pas être utilisé autrement et mieux ? Sur la décennie, par exemple, des années 2000, on a payé 15 millions d'euros à la pêche en eau profonde en France. Donc, la réalité amère de cette pêche profonde, c'est que c'est nous qui finançons la destruction des océans profonds. Dans les 10% de zones maintenues à la pêche de grand fond, ce sont au minimum 758 navires, Madame la Commissaire, ce sont votre propre étude d'impact, selon la Commission donc, et des milliers de marins pêcheurs qui pourraient maintenir leur activité. En ces temps de chômage, la perte de ces emplois entraînerait certaines de nos régions, en Écosse, en Irlande, en France, en Espagne et au Portugal, vers le précipice. Merci. Une chose importante aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette pêcherie est aussi à forte valeur ajoutée par des emplois à terre. Ne l'oublions pas, avec une valorisation de ces produits, ça concerne plusieurs dizaines de milliers d'emplois en Europe. La pêche en eau profonde est le navire amiral de la pêche et de la filière de l'amont à l'aval. Le Pays de l'Orient, c'est 3000 emplois à la pêche, 300 entreprises. Alors, c'est 3000 emplois, il y a 14 800 emplois sur la pêche dans toute la France, 3000 pour la pêche profonde. On a demandé les chiffres à PricewaterhouseCoopers, qui nous a répondu « secret professionnel ». Sauf que ce secret professionnel est utilisé dans les plus hautes instances des débats européens et par les députés européens. Nous, on a publié notre contre-étude et on est arrivé pour les emplois en mer et induits entre 88 et 340 d'emplois. Et voilà, et ça, c'était une estimation haute des emplois pêche profonde. Il y a des techniques de pêche qui permettent de pêcher des espèces profondes qui permettraient de créer 6 fois plus d'emplois. Ça s'appelle la palangre, des hameçons sur une ligne. C'est une technique qui est plus sélective, qui existe déjà. Et on créerait 6 fois plus d'emplois qu'avec le chalutage profond, qui est une des techniques de pêche qui a un ratio emploi-tonne de poissons pêchés parmi les plus faibles. C'est une vraie réalité. Ça supprimait quelques emplois, quelques dizaines d'emplois, mais qu'on pouvait facilement compenser avec d'autres techniques de pêche. Et l'Europe était là pour financer la reconversion des chalutiers en palangriers. On a demandé au ministre en charge de l'Environnement de saisir officiellement le système halieutique, le système d'information halieutique de l'Ifremer. Et si on fait ça, on aura des informations transparentes sur lesquelles on arrêtera de discuter pendant des heures et des heures et des années pour savoir combien de bateaux pêchent en dessous de 400 mètres avec un chalut profond, en ciblant quelles espèces. Ces données existent, elles sont disponibles, il suffit d'aller les chercher. On sait très bien que l'industriel va aller voir le maire de Boulogne, pour ne pas le citer, et il va lui dire, mais tu sais, si vous ne m'aidez pas, je vais aller ouvrir mon usine à tel... Et tout est toujours comme ça. Et donc, il n'y a jamais un arbitrage au nom de l'intérêt général. On est toujours dans un chantage à l'emploi. Alors oui, bien sûr, il faut préserver l'emploi et il faut que les pouvoirs publics aident, mais pas n'importe comment, pas n'importe qui. Il faut regarder qui crée vraiment à la fois de l'emploi durable et qui préserve
ce qui sera l'avenir de notre modèle. On le voit bien, il y a un potentiel absolument incroyable d'un point de vue génétique, d'un point de vue biodiversité. Et c'est là qu'il faut créer les emplois. C'est pas quelques tonnes de protéines et des emplois qui vont pas durer, ils ne dureront pas dans la pêche profonde, qui vont résoudre les problèmes. On a beau essayer de faire passer quelque chose d'épouvantable pour quelque chose de joli, les gens sont quand même pas complètement des idiots, donc ça finit par sortir, et on a eu une très forte mobilisation de beaucoup de personnalités publiques autour de nous, des citoyens, notre pétition a connu un succès absolument phénoménal, et ça a été la pétition la plus signée de l'histoire de France en matière écologique, donc on a eu ce succès incroyable. Eh bien, les lobbies, que font-ils pour contrecarrer, ou en tout cas pour essayer d'endiguer la puissance de la volonté des citoyens? Eh bien, ils jettent le discrédit. La mairie de Lorient, par exemple, a financé une enquête sur les ONG. Des mois plus tard, mais peu de temps après, on s'est rendu compte qu'était arrivée, comme par hasard, sur le tapis, en fait, une enquête sur les liens entre les ONG environnementales et les ONG américaines, avec toute une théorie du complot qui disait qu'en gros, les ONG françaises étaient à la solde des ONG américaines qui, elles-mêmes, étaient à la solde des lobbies pétroliers. Et donc, ils ont réussi à jeter le discrédit sur nos actions en faisant passer nos motivations pour des motivations pécuniaires. Et évidemment, ça a trouvé de l'écho au niveau du secteur de la pêche. Donc, on a prêté aux ONG un pouvoir démentiel, avec des moyens démentiels, alors que nous, on publie notre budget sur notre site internet et qu'évidemment, il n'a rien à voir avec tous ces lobbies qui, eux, sont liés à une industrie. En France, le débat sur la pêche en eau profonde prend de l'ampleur depuis la parution de cette bande dessinée publiée sur le blog de l'illustratrice Pénélope Bagieux. Avec des dessins colorés et des textes pleins d'humour, l'auteur dénonce cette méthode de pêche massive aux effets dévastateurs sur l'écosystème. Alors je sais bien, on connaît les ONG qui distribuent des BD, font du bazar sur Internet et ont beaucoup de moyens et beaucoup d'argent. Ce serait intéressant de regarder d'ailleurs d'où vient cet argent. Nous avons depuis un certain nombre d'années une évolution qui vient peut-être un petit peu parasiter ce débat et qui est celui de la montée en puissance des milieux environnementaux. Alors, il y a eu de nombreuses attaques, notamment de collectifs environnementaux, parce que les pêcheurs dragueraient une grande quantité de poissons et en rejetteraient pour simplement quelques poissons. Non, alors ça, ce sont des affabulations d'un certain nombre d'ONG qui ont proféré un certain nombre de contre-vérités. La vérité, c'est que ces chalutiers pêchent, gardent l'essentiel des poissons qu'ils pêchent, parce qu'ils ciblent les poissons, ils ne vont pas pêcher n'importe quoi, ils n'ont pas envie de traîner un chalut pour garder 3% de ce qu'ils pêchent. Il y a eu, c'est vrai, une forte pression des activistes environnementalistes. Pour une part, tous les arguments n'étaient pas erronés. Malheureusement, il y avait aussi des simplifications, voire des caricatures, à la limite, quand je dis à la limite, je suis gentille, du mensonge. I received a leaflet, and I think all MEPs did, from one particular NGO which claimed that deep water trawling, if it's allowed to continue, would kill all marine life and even would wipe out future cures for cancer in human beings. That's the kind of over-the-top rubbish that people were being lobbied with. Certains députés européens se sont plaints d'avoir été envahis par la communication des ONG. Alors nous, on a trouvé ça plutôt drôle. Parce que chez Bloom, pendant toute l'année 2013, nous étions 3 personnes. On met énormément de références, hein, à nos... puisqu'on est une toute petite ONG, donc on ne peut pas se permettre de dire des choses, on n'a pas le poids, on n'a pas d'autorité, autrement que justement d'utiliser des références qui sont, elles, robustes. On nous parle des ONG, on attaque les ONG, bien sûr. On n'est pas content, on attaque les ONG. Mais les ONG, figurez-vous que les ONG prennent un poids de plus en plus important. Pourquoi? Parce que les ONG, vous avez cité la Pew, mais la Pew, elle sait écouter les scientifiques, elle prend les travaux des scientifiques. Pew works based on facts, based on science, based on law, international law or EU law. And what Pew wants to see is the effective protection of deep sea species and habitats by including a phase out of the most destructive fishing gears. So what we are hoping to see is the council now
realizing, listening to the science, listening and following the legal requirements. À la conférence environnementale en 2013, les ONG ont obtenu en effet un engagement dans cet exercice de démocratie participative que le gouvernement allait établir la position française sur ce règlement pêche profonde et donc sur l'interdiction du chalutage profond en concertation avec les parties prenantes et notamment évidemment les associations de défense de l'environnement. Et malgré ça, la position qui est défendue par le ministre de la Pêche qui est devenu secrétaire d'État à la Pêche, Frédéric Cuvillier, et la direction des pêches qui est maintenant sous la tutelle du ministère de l'écologie, n'a pas bougé du tout. Et cette position, c'est simplement ce que désirent les industriels. Ils veulent qu'on gèle l'empreinte, c'est-à-dire que laissez-nous pêcher là où on pêchait, exactement comme avant, en fait que rien ne bouge. Voilà. Vous pouvez protéger là où on ne pêche pas, ça ne nous embête pas trop, mais laissez-nous pêcher comme on veut là où on pêche. Et pour cela, nous plaidons pour geler l'empreinte écologique des pêches profondes, en établissant une cartographie précise des zones de pêche et en limitant les pêches profondes aux zones actuellement exploitées. La solution qui a été exprimée par la représentante du ministère de l'écologie, et je m'étonne parce qu'on avait l'impression d'entendre plutôt la représentante de la pêche, vous avez parlé d'encadrer, de contrôler, d'une cartographie, mais on n'a même pas aujourd'hui de cartographie qui permette de protéger les zones côtières. Les membres du Parlement qui soutiennent l'industrie claiment que leurs propositions will actually protect these ecosystems. But when you look at what they've actually proposed, the legislation that they are proposing, you realize there's very, very little substance to it. Le vote est ouvert. Nous allons procéder à une vérification électronique. Je cierre la votation. Le vote est clos. Adopté. La pêche en eau profonde ne doit pas être interdite, c'est la position du Parlement européen. La Commission avait proposé une interdiction, mais la pression de la filière et en particulier des armateurs français a été très forte. Résultat, un Parlement européen divisé, l'interdiction a été rejetée à 16 voix près. Les lobbies industriels, ils ont gagné une bataille, mais ils ont perdu la guerre. Les citoyens ne veulent pas de ces poissons-là. Ils ne veulent pas, de toute façon, globalement, manger des choses en pensant que ce qu'ils ingurgitent a contribué à une méthode d'extraction, quelle qu'elle soit, une méthode de culture qui est destructrice de l'environnement. Ça, en fait, ça ne marche plus. Donc on voit bien que les marques se sont positionnées. Casino, en premier, a annoncé le 2 décembre 2013 qu'ils arrêtaient de vendre des espèces profondes. Carrefour a annoncé la veille du vote du Parlement européen, le 9 décembre, que eux aussi suspendaient, cessaient la commercialisation des espèces profondes. Ensuite, Auchan, Système U a quasiment, donc c'est tous les Super U, etc., ils ont quasiment réduit à peau de chagrin les ventes d'espèces profondes dans leur rayon. Donc en gros, il reste qui ? Il reste Intermarché, qui lui-même avait une flotte de pêche et qui a accepté d'arrêter de chaluter en dessous de 800 mètres de profondeur. C'est-à-dire que sous la pression public, la demande des citoyens, le groupe qui est le plus concerné par l'activité de chalutage profond, a accepté d'entendre cette demande citoyenne. Donc il reste Leclerc, qui ne bouge pas et qui ne répond et qui ignore de toute façon toujours les citoyens, qu'on peut écrire toutes les lettres qu'on veut. On n'existe pas dans le radar de Leclerc, mais on voit bien que tous les autres ont bougé. Et que c'est une demande très forte des citoyens. Et ça, on ne reviendra pas en arrière, c'est sûr. On ne peut pas rembobiner le film. Ce qui est important, là, dans les jours qui viennent, c'est de se fixer un cap, un horizon, un calendrier. Et puis on y va progressivement, mais on ne revient pas en arrière. C'est ça qui est important. Ce qui manque à tout le monde et qui crée le désarroi là, dans lequel nous sommes, c'est une vision. Où est-ce qu'on veut aller ? Voilà. Il y a des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. En matière de pêche, on pourrait très rapidement prendre un certain nombre de décisions. Il y a des choses en matière de basculement des régulations qui est plus compliqué, qui demande probablement un agenda. Mais il faut un cap, il faut une vision et un clapet anti-retour. C'est pas comme si on recommençait complètement à zéro, mais quasiment, avec les élections européennes et les résultats des élections européennes qui ont eu lieu en mai 2014, on va quand même devoir se battre. C'est-à-dire que là, on n'a quand même vraiment pas des alliés au Parlement européen. Tout est possible, mais on va vraiment avoir besoin d'une forte mobilisation citoyenne. Donc la bataille continue, et on a vraiment besoin des Français, et d'ailleurs de tous les Européens avec nous. European Union has an opportunity
to really take a lead and inspire the rest of the world to take action as well. Our lives are on the line, as well as the lives of the fish, because what harms the ocean harms our survival as well.